Donc nous nous trouvons sur un chantier de renouvellement cuivre sur la commune de Pujol. Donc nous devons détecter un branchement cuivre en partie secondaire, donc un domaine privé, afin de pouvoir réaliser la tranchée qui ira donc du nouveau coffret jusqu'à l'emplacement du compteur dans le garage de la maison. Le but est d'abord de trouver un affleurant de manière à pouvoir brancher le RD8000 pour faire la détection. Voilà, donc nous trouvons ici l'arrivée du cuivre de 10 avec un T-obturateur. Donc nous allons pouvoir nous prendre ici pour pouvoir envoyer le signal dans le branchement jusqu'au réseau. Donc voici le RD8000. Donc nous avons un boîtier émetteur qui enverra le signal dans le cuivre et un récepteur pour pouvoir le retrouver sur tout le tracé. Donc je récupère mes cordons. Voilà, nous avons deux couleurs, le fil rouge que nous allons brancher sur le cuivre, la fiche qu'on raccorde à l'émetteur et le fil noir que je mettrai au piquet de terre perpendiculairement au branchement que nous devons trouver. Donc je mets l'émetteur en marche. Donc je suis bien sûr 640 Hz pour la fréquence. J'ai ma mise à terre qui est bonne. Donc maintenant je peux prendre mon récepteur. Même chose, je me mets sur la même fréquence que l'émetteur à 640 Hz. Voilà. Et je vais chercher mon branchement. Donc je me mets au plus loin du signal. Et je balaye la zone où il peut se trouver. Là, on peut voir à cet endroit-là. Voilà. Ici, j'ai le cuivre à une profondeur de 64 cm. Je me le repère au sol. Je rebalaye en allant vers le T-obturateur qui se trouve à l'angle de la maison. Voilà, ça décroche ici. Je positionne 64 aussi. Je me marque la profondeur au sol. Ça décroche là. Je positionne 59 cm. Je suis plus qu'à 56. On va passer la zone qui est en pavé. Là, je m'approche de l'émission et je l'ai à 57 cm. Avec une arrivée ici. Voilà pour le repérage. Et ensuite, vu qu'on a une zone d'incertitude, nous mettons de part et d'autre du cuivre, des flèches, comme quoi lorsque l'on va terrasser dans cette zone, nous devons le faire en technique douce. Là, je remets un point au niveau de la limite de propriété. Là, ça décroche ici. Je suis à 63 cm de profondeur. Voilà. Ensuite, je me mets sur le domaine public où je dois retrouver aussi mon cuivre qui correspond au réseau. Donc, ça décroche ici.
Et là, je l'ai à une profondeur de 65 cm. Voilà, mon repérage de la partie privative est réalisé. Donc, je pourrais montrer donc, là où passe le cuivre chez le client, de manière à faire la tranchée qui va donc du nouveau compteur que l'on posera à la limite de propriété jusqu'à l'emplacement de l'ancien compteur qui se trouve donc chez le riverain.